Juste le titre du stream. Hop, aujourd'hui on va jouer à Crash Bash, un classique de la PlayStation 1. Oui, c'est en crack et c'est sur téléchargé sur PlayStation. Mais ne m'en voulez pas. Alors, on passe tout ça, s'il vous plaît. Respectons-moi un petit peu. Alors. Donc Crash Bash, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un jeu de la série des Crash Bandicoot, évidemment. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Alors attendez, au pire, je baisserai. Je baisserai. Donc c'est une série de mini-jeux basée sur l'univers de Crash Bandicoot. Donc il y a une histoire derrière, hein. C'est bien sûr fait par Naughty Dog, Sony, tout ça. Alors. On va jouer en français. Évidemment. Évidemment, j'ai pas configuré mes touches. Bravo le veau. Votez. Contrôleur. Alors. Paf, 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 paf. Paf. Paf, paf, paf. Paf, paf, et puis après le reste de moi. Le français. Voilà. Donc oui, je joue au clavier, étant donné que je n'ai absolument pas de manette. Droit à faire le mode aventure. Nouvelle partie, parce qu'il me semble que j'en ai pas. On va jouer Crash, évidemment. S'il vous plaît. Je vous laisse la cinématique. Combien de fois devrais-je te le dire? Tu ne pourras jamais... me va. J'en ai assez de ta prétendue sagesse. C'est moi le plus fort. Et c'est le mal qui finira par triompher du bien. Non, cette querelle ne peut plus durer. Nous devons absolument la résoudre une bonne fois pour toutes. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, pauvre minable. Nous allons régler nos comptes, prêts à combattre. Non, Uka Uka. Les ancêtres ne le permettraient pas. Il ne peut pas y avoir de combat entre nous deux. En tournoi alors, le bien contre le mal, les joueurs contre les miens. Bon, d'accord. Fais venir les équipes. Soyez les bienvenus. Nous vous avons fait venir pour que vous vous battiez. Un combat entre le bien et le mal. Un combat jusqu'au bout. Que le meilleur gagne. Uka Uka, ce combat n'est pas loyal. Tu as beaucoup trop de joueurs. Si ta confiance dans les forces du mal est si grande, tu dois pouvoir gagner à forces égales. Il faut te séparer de deux de tes champions. Très bien. Choisis. Que les jeux commencent. Voilà, c'est tout con. Vous avez compris le principe? Alors déjà, si vous voyez que l'émulateur, des fois, s'arrête, c'est quand je change de fenêtre. Voilà, l'émulateur se met en pause. Évidemment. Donc, il y a plusieurs étages. Et chaque étage comporte des mini-jeux comme ceci, donc on a le Crash Ball, le Polar Panic, le Pogo Painter et le Jungle Bash. Donc à chaque fois il y aura 4 mini-jeux similaires à chaque étage, mais à chaque fois une règle en plus s'établira. Et bien sûr à la fin de chaque étage, nous avons comme dans toute série Crash Bandicoot qui se respecte, un boss à battre sur un mini-jeu, tout simplement. Donc on va commencer aujourd'hui par le Crash Ball. Ah oui, désolé si vous voyez les trucs brightness. Attendez, je vais régler ça. Je sais pas comment on fait. Pour ça. Ouais. Ah voilà, c'était ça. Ouais, comment j'utilise voilà les pads.
Ça va pas le faire. Donc on va le faire avec ça. Alors 9, 3, 8, 2, 7, 1. Voilà. Comme ça, quand je le ferai, il n'y a aucun risque que ça le fasse. Donc c'est bon. Désolé les réglages, mais bon, ce sont des automatismes que je dois prendre. Évidemment. Donc on commence. Premier jeu, le Crash Ball. Alors comment ça se joue? C'est un petit plateau de billes en fait. Et à chaque fois qu'une bille, si vous voulez, part dans un corps adverse, une vie est enlevée. Vous voyez en haut que chaque joueur a 15 vies. Et donc le dernier qui arrive à 0 gagne. Il faut remporter 3 victoires pour gagner une coupe et ainsi passer au jeu suivant, etc. 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 Donc objectif, fais dévier les balles de ton but à l'aide de ton bateau, le gagnant et le dernier joueur debout. Déplace-toi avec les flèches pour dévier les balles avec ton bateau. Appuie sur L1 et R1 en maintenant la touche enfoncée pour faire accélérer ton bateau. Appuie sur carré pour donner aux balles un coup supplémentaire. 3, 2, 1, partez. Donc voilà, les petites billes vont arriver ici. Et paf! Alors ma touche carré ne fonctionne pas. Je l'ai mal configuré. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je vais faire la config après. Vous allez voir, parce que c'est assez drôle. Alors pour l'instant, non, je me suis pris un but. Et pour l'instant, je suis en tête. Voilà. Alors on peut pas faire de bouclier tant que notre lumière sur le côté du bateau n'est pas jaune. Sinon ça marche pas. Si j'essaye, ça marchera pas. Évidemment pour l'instant je me prends pas trop de buts, je m'en suis pris juste deux. Merde. Hop. Voilà. Ok. C'est serré, le gorille joue bien. Allez hop, Cortex est mort. Ouh là là. Alors oui, moi j'utilise pas du tout les touches L1 et R1. Parce que pour moi c'est pas pratique du tout. Oh là là. Il y en a partout. Allez. Ah c'est bon, il est mort. Fouh. Alors attendez, je vais s'habituer. Ouais, parce que comme le truc est en AZERTY, alors je change. Juste vite fait, donc tac, 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 voilà. C'est bon, on va pouvoir reprendre normalement, ma touche carré fonctionne. 3, 2, 1, on va voir ça juste après. Ouais, c'est bon, nickel. Donc je les configure en QWERTY. Voilà, donc c'est des jeux vraiment très très fun. Hein. On va voir ça bien sûr tout au long de ce live. Alors le live, je pense qu'il va durer 1 heure, voire 1 heure et demie. Je sais pas. N'hésitez pas bien sûr à venir voir nos lives. Hein. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'horaire précis pour les streams, mais je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Je pense qu'on va se mettre une planification du live. Bordel. Des lives. On va s'établir un planning. Bon, bien sûr, en fonction des disponibilités, bien entendu. Merde, j'arrête pas de faire n'importe quoi. Ou sinon il suffit juste que vous faire un follow de la chaîne Xbox. Donc je mettrai un lien dans la description de la rubrique du live. Pour simplement être averti à chaque fois qu'on fait un live dans votre boîte mail, bien entendu. Oh là là, j'en ai envoyé 3 à la fois. Putain! Faut que j'arrête de parler en même temps. Je m'en suis pris 2 là parce que j'étais pas concentré. Oh là là. Au revoir Cortex. Allez. Il en reste encore 4 à pouvoir laisser passer. Avant de perdre. Oh putain. Oh c'est bon. Deuxième victoire. Allez, la dernière. 3, 2, 1. Partez!
Alors je m'excuse aussi de la qualité du micro, parce que je pense pas qu'elle soit très très bonne. Mais mon ordi commence à tout casser, donc j'ai des prises jack qui ne fonctionnent plus. Donc, enfin, bizarrement c'est tombé sur le micro, donc ça fait que je peux entendre, hein, j'ai un casque, j'ai le casque pour écouter le... Là, pour écouter le jeu, mais je n'ai plus le micro, donc je suis obligé de revenir à l'ancienne au micro d'ordinateur, ce qui est pas forcément très joli joli, mais bon, donc j'espère que ça reste quand même audible. Alors là, pour l'instant, je m'en sors bien. Là, c'est un jeu que j'ai fait et refait, hein, donc techniquement, ça devrait pas vous poser trop de soucis. Mince, je l'ai pas vu celle-là. Hop, celle-là, je l'ai envoyé. Oh là là, on se calme, on se calme. S'il vous plaît, respectez-vous. Oh putain. Oh, c'est tant d'axes. Ça dégage. Merde. Je pense que très prochainement je ferai une vidéo annonce. Enfin bon, pour vous elle sera peut-être déjà sortie. J'en sais rien. Mais bordel. Du coup, comme je disais précédemment, mon ordi se fait vieux. Putain, j'ai eu peur. Donc du coup, je peux plus brancher le bazar à mon PC, ce qui fait que je peux plus stream ou enregistrer des épisodes. Donc je vais devoir combler avec autre chose, c'est pas grave, donc je vais faire des lives. Oh punaise, oh, ils me mettent le paquet là, bande de salauds. Bon, ça me dérange pas de faire des lives, hein. Au moins c'est des vidéos vite fait, j'ai pas besoin de les monter derrière, c'est tout bien pour moi. C'est bon, Cortex, il se la prend cher, là. Ce quoi, là, m'énerve. Il reste 12 vies. 11, 10. Là, je suis un peu en mauvaise posture. Merde. Il y en a, il les laisse passer, mais gratuitement, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est la folie. Mince, mince. Oh là là, oh là là. Il y en a partout. Il y en a partout. Je sais plus quoi faire. Allez, prends-toi la dernière. C'est bon. Pouf. Voilà, c'est bon. On a gagné notre premier mini-jeu, c'est génial. Ouais, bon, ça prend un petit peu de temps, hein. On est à presque 15 minutes déjà. Ah là là. Ok. Polar Panic. Alors celui-là, juste génial, c'est les combats en ourson. Ça c'est juste top énorme. Alors, objectif, charge les autres joueurs pour les éjecter de la glace. Collecte les bonus en entrant dans le rayon, le gagnant et les derniers joueurs debout. Et bien sûr, faut gagner 3 fois. Carré, c'est pour charger les autres joueurs. Impossible de charger avec le compteur vide, donc c'est la barre verte que vous voyez en dessous du personnage. Lorsque tu tombes, glisse dans l'arène et appuie plusieurs fois sur carré. Voilà, les objets spéciaux, donc le poids passe pour les autres joueurs. Donc celui qui l'a se fait écrasé et donc est éliminé. L'éclair, collecte l'éclair des autres joueurs, c'est à dire que si on a l'éclair, les autres joueurs qui ne l'ont pas se font électrocuter. 3, tout simplement. 2, 1, c'est con, hein. Partez. Voilà. Oh merde, ça c'est pas bon.
Il bouge pas là-bas, Yahoo. Merde, merde. Allez. Merde, il a l'éclair, chopez-le. Mince, mince, c'est qui? Ah! Non! Merde. Oh, vite. Voilà, vous avez compris le principe. 3, 2, c'est tout con. 1, go! Wow! Vite, vite! Oh là là! Cassos! Cassos! Ah! Allez. Oh non. Oh non. Oui. Crash. Ouh, c'est tout tendu. J'ai réussi. Hey, mange tes ventes. 3, 2. Oui, c'est con, mais c'est drôle. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas notion de quoi. Merde, je suis tout. Je suis où? Je suis tombé, je crois. Ouais. Bon, bah ça se joue entre Cortex, Kong et Ryaru. Non, on ne force pas la victoire. Quoique. Non, on va pas forcer. Allez. Ah, voilà le poids. Voilà, donc là c'est Ryaru qui va se le faire avoir. Paf ! Voilà, il est mort. Ça se joue donc maintenant entre Cortex et Kong. Qui va gagner? Le suspense est à son comble. Il ne reste que 45 secondes au chrono. Aïe aïe aïe. Ah, Big Cortex, cours, cours, cours. Je sais plus. C'était con qui avait la première victoire tout à l'heure. Et c'est terminé. Cortex gagne. Tout à fait. 3, 2, 1. Parfait. Wow! Eh ben, c'était une victoire facile et rapide. C'est peut-être la dernière manche? Allons savoir. 3, 2, 1, partez! Voilà, et déjà, je commence n'importe comment. Ah mince! Alors oui, vous voyez, quand on est dans cette situation où on glisse sur le bord de l'arène, il faut marteler la touche carré. Voilà, pour reviendra, bien entendu. Oh là là, c'est un duel d'infirme. Le gagnant va se faire savoir dans quelques secondes. On est tous à une victoire, pour moi. Sauf moi qui en ai à 2. Manche suivante. 2, 1, partez. Oh là là. Ça s'est tous foncé dedans. C'est bon, je suis reviendu. Oh, vite, 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 faut le choper. Chopez-le! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Ah bah pfff. Ah ça c'était nul. Ryaru gagne. Aïe, 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 il ne faut pas que Ryaru gagne. 3, 2, 1, partez. Donc on va essayer de le jeter dès le début. Oh là là. Cours. Ah. Vite, fuis, fuis. Oh, merde. Merde. C'est bon. Oui.
C'est la victoire, c'est la victoire. Allez hop. Oui, bon. C'est simple, clair, efficace. Oh putain. C'est très stressant comme jeu. Allez, Pogo Painter. Ah, ça j'aime bien. Ce jeu, je l'aime bien. Est-ce qu'il y a des gens sur des lives qui écrivent des commentaires? Nope, je suis tout seul, c'est pas grave. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est comme si je faisais une vidéo classique. Alors, objectif, déplace-toi dans l'arène pour que les cases, prennent ta couleur. Brise les cases spéciales pour transformer tes cases en points. Gagne en obtenant le meilleur score à la fin du temps imparti. Voilà, donc les flèches pour aller sur la case suivante pour donner la couleur. Donc chaque joueur a sa propre couleur. Donc vous voyez, moi je suis en jaune, Cortex en rouge, Kong en bleu et Riaru en vert. Voilà, donc c'est carré pour lancer un missile. Voilà, fait pleuvoir les missiles sur les autres joueurs. Les flèches colorées rangées en tiers de cases. Collecte les bottes éclairs pour aller plus vite. N'oublie pas, brise les cases spéciales pour transformer tes cases en points. Donc une case, un point. C'est tout simple. Voilà. Et bien évidemment, chaque joueur qui peint une couleur, eh bien, ça repasse par-dessus. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de colorer un max de cases, hein, tandis que Cortex optimise. Hop là. Et bon. C'est moi qui suis en train de piquer toutes les caisses. Là, donc. Il récupère même pas les caisses, je sais pas ce qu'il fout. Ah, je me disais aussi. J'aime bien la musique du jeu. Hop là, ensuite, il y en a là-bas. Casse-toi. Voilà, les joueurs peuvent bloquer aussi, hein, les autres joueurs. Pof. Voilà, moult cases. Salaud. Attention, il y a 10 secondes au chrono. 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Bon, vous voyez quand même, les bots sont un petit peu nuls. Donc on gagne facilement. Mais ce n'est que le premier niveau. Après, bien sûr, ça se corse. Faut avoir de la chance, hein, aussi. Beaucoup de chance. Ah oui, je me disais pourquoi il ne piquait pas les caisses. Il y en a une là-bas. Mince, mince. Ah, salaud. Il a piqué la caisse. Je veux cette caisse. Mais bordel, donnez-moi des caisses. Voilà. Ah, s'il vous plaît, respectez-vous. Ah. Allez, il reste 30 secondes. Tout peut encore se jouer. C'est des salauds, les bots, c'est des salauds. Allez, 20 secondes. Il y en a un qui pède, hein. Il y en a un qui fait un bruit de paix. Et... Oh, s'il te plaît. Respecte-toi, con de jeu. Allez hop. Vite, vite, vite. Ah, j'ai perdu. Riaru gagne. Le Riaru gagne. 3, 2, 1, partez. Salaud. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Salaud! Oui, c'est bon.
Une pièce là-bas. Salaud. Allez vite. Oh, parfait. C'est parfait tout ça. Oh là là. Ah vite, je la veux. Salaud. Je sais pas qui est le vert, mais... Il pique beaucoup trop de cases à mon goût, là. 21, ça c'est bien. C'est bien ça, 23 secondes. Mince. Allez, vite. On se dépêche. Perfect, mais beaucoup trop de cases à mon goût, là. Vite, il reste 8 secondes. 5, 4... 3, 2, 1, terminé. Bon, deuxième victoire. 2001, l'Odyssée de l'espace. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Bon bah. Déjà ça devient mieux. Hop là. Salaud. Ah non, elle est à moi celle-là. Piquez pas mes caisses. Ah, c'est tendu. Salaud. Là, je veux celle-là, mais donnez-moi des caisses, bon sang. L'autre est à 71, quoi. Respectez-vous. Hop là. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Oui! Ah non! Oh non! Oh, j'y ai cru! J'y ai cru! Oh putain. 3, 2, 1, partez. C'est n'importe quoi. Ce jeu, c'est de la merde. Allez hop. C'est dit. Désolé, Pozzo. Hop là. L'autre 20 comme ça. Paf. Oh non. Salaud. Là, j'en ai une, deux, hop. Oh là-bas, 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 là-bas. Je la veux. Oui! Ouais, c'est bon. Allez hop. Il reste 30 secondes. Ce verre me fait chier là. Hop, casse-toi avec tes cases de merde. Hein. Ah, ça jouait maintenant dans les 10 dernières secondes. Il faudrait un truc pas loin. Ouais, ça c'est bon. Allez. Oh là, c'est bon. Hein. Allez. Fou, et c'est une troisième victoire. Oui. Oui, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours tout seul sur Twitch TV. Non, c'est... on n'est pas sur Twitch. On est sur Xbox. C'est Xbox.tv d'ailleurs. Ouais, Xbox.tv.
Très bien, on va pouvoir passer au quatrième jeu, Jungle Bash. Ah celui-là je me rappelle plus, c'est pas le truc avec les caisses là? Celui-là il est un poil chiant. Ah si c'est ça. Ramasse des caisses et lance-les sur tes adversaires. Le gagnant est le dernier à rester debout ou avec le plus de santé lorsque le temps est écoulé. Appuie sur cercle pour ramasser les caisses, appuie encore pour les lancer. Appuie sur carré pour frapper les caisses, appuie sur croix pour sauter. Lance ou projette les caisses sur les autres joueurs, heurte ou ramasse la TNT, le TNT, parce que on dit bien le TNT, pour lancer le compte à rebours. Attention aux caisses de nitro, collecte les fruits Wumpa pour renforcer ta santé. Alors je bats un coup. Voilà, ça fait du bien. Ok, 3, 2, 1, parfait. Voilà, donc notre barre de santé, c'est la barre verte, en dessous. Mince, je me suis pris du TNT dans la face. Alors, faut pas RT. Vous le savez, les caisses de nitro-glycérine, parce que c'est pas bon. J'arrive pas à choper des caisses. Voilà, on a déjà un mort. C'est l'off là, le combat. Attention, il reste une minute. Wow! Mais arrêtez de vous acharner sur moi, je vous ai rien fait! Alors, bien sûr, manger des pommes, c'est bon pour la santé. Je suis. Pourquoi je fais ça aussi, moi? Mais arrête de. Mais arrête! Mais il marcelle! Marcel Cortex. Salaud. Mais, prends une caisse, salaud. Mince. Là, je vais mourir de décès. Ça va être incroyable. Ah ben voilà. Alors bien sûr, si personne n'est départagé à la fin du temps réglementaire, c'est celui qui a le plus de vie qui reste. Alors non. Bah voilà, je savais que j'allais me faire vie. Tiens, prends ça dans ta gueule, je voulais viser Cortex, mais... Ça passe. Putain, mais arrête de me... Mais arrêtez de me violer. Alors je vous laisse vous auto-tuer. Ah bah voilà, Cortex est mort. Là, je mange des fruits, parce que faut manger 5 fruits et légumes par jour. Vous le savez, si vous savez pas ça, c'est que vous ne regardez pas assez la télé. Et c'est une bonne chose. Mince. Ouais, j'arrive pas à choper les caisses. Chope les caisses. Voilà, chope la caisse. Je bouffe un max de pommes. Mince. Oh, je vais mourir de décès, c'est pas possible. Ah, c'est bon. À 10 secondes de la fin. Deux victoires. Allez, peut-être une dernière. Ce serait génial. Partez. Alors déjà, une caisse. Je vais viser lui. Paf. Et repaf. Oui, repaf. Bah non, j'aurais cru. Oh oui, c'était beau. Ah oui, ça lui fait perdre de la vie si on frappe, d'accord. Allez, muchas vidas. Ah mince. Que j'ai shooté la caisse de nitro, moi. Merde. Tiens. Oh là là. S'il vous plaît, respectez-vous, mon cher. Merde. Alors, bouffons des fruits, bouffons des fruits. 5 fruits et légumes par jour, ne l'oubliez pas. Je devrais mettre un bon dos de filon.
manger 5 fruits et légumes par jour. Ah, je l'ai eu. Tiens, ben hop, et puis on le spam. Hop! Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, hop, s'il vous plaît. Alors. Voilà. Voilà. Bien sûr, on va mettre défilant. Vitesse de défilement 20. Alors 50. Voilà. Allez. Donc manger au moins 5 fruits ou pas par jour. Hein. Plus d'infos bien sûr sur madbitinfo.fr. Et déjà, il y a une faute d'orthographe parce que c'est plus d'infos avec un S. Bravo, le veau voté. Allez. On va mettre quand même un petit contour. Désolé, je fais ça en direct live. Voilà. Non, c'est pas j'ai les armes. Quoi? Voilà, comme ça vous le voyez bien. Attends, au pire, est-ce que je peux pas faire en sorte qu'il s'affiche juste sur une petite partie? Ah voilà, si. Ah, parce qu'il faut pas que ça empiète sur le logo, bien sûr. Ah, un petit peu. Au pire, vous savez quoi, on fait passer l'inspirant. Voilà, donc or, tout en bas. Ah oui, il faut quand même que ce soit au-dessus de la fenêtre, voilà. C'est bon. Ok, donc on va faire le boss maintenant. J'ai quelques petites pertes de frappes. Bravo, tu as relevé avec succès les défis qui t'attendaient dans cette pièce spatio-temporelle. Pour accéder à la prochaine série de jeux, tu dois vaincre le puissant Papou Papou. Papou Papou. C'est incroyable parce qu'on se fait chier. 3, voilà. 2, 1. Donc il faut le battre. Comment? Je ne sais plus. Blablabla. Ah, j'ai pas le droit de faire ça. Okay. Ma bite, mon zboob. Là, c'est le moment idéal. Bah oh là là, je me fais nuit. Deux à la fois. Oh. Voilà. Respecte-toi. Laisse faire les grandes personnes. Manipuler le trinitrotoluène, c'est pas bien. Incroyable. Allez vite. Oh, je suis mort de décès. Voilà. Je perds. Oui. Allez, on le fait sans angoisse, évidemment.
Voilà, muy bien. Voilà, hop, on se passe. LOL. Incroyable. C'est incroyable, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. LOL, je me suis fait eu par mon clone. Bravo. Bravo le beau. Votez. Allez hop, casse-toi. Toi aussi. Voilà, parfait. Toi. Bah s'il te plaît. S'il vous plaît, évidemment, respectez les vieux gourous aborigènes. Et je fais n'importe quoi. Casse-toi. Casse-toi avec ta caisse. Allez, une troisième série, d'accord, très bien. Allez, hop. Voilà, très bien, encore un coup. Alors là, faut pas mourir de décès. Parce que là, je l'aurais mal. Ah mais non, c'est bon. Eh ben, voilà. Voilà comment on gagne avec maîtrise, dirons-nous. On va donc pouvoir passer plus en haut. Ouais, nous sommes à la deuxième. Alors, on va bien sûr enregistrer notre partie. Paf. Ici, alors, entraînons ma bite. Voilà. Carré, carré. Oh non, j'ai pas le droit. Enfin, voilà. Ma partie s'appelle ma bite. Tout à fait. Voilà, parfait. Donc voilà, nous revoilà ici. Donc là, c'est ce qu'on a eu. On va accéder au niveau 2. La pièce spatio-temporelle, deuxième du nom. On va faire quelques mini-jeux. Donc, voilà, en général, les mini-jeux restent les mêmes. Donc là, c'est le Beach Ball. C'est comme le Crash Ball de tout à l'heure. Donc, vous vous souvenez, avec les petites cartes et les petites bibis qu'il va falloir envoyer. Sauf qu'il va y avoir, bien sûr, des spécificités en plus. Voilà. Voilà, en appuyant sur croix, on attire les balles vers notre bateau et on peut bien sûr relâcher avec cette même touche. Vous voyez également que notre nombre de vies a été abaissé par 12. D'accord, et l'autre il est complètement con. Voilà, comme ça. Donc si on appuie sur croix, voilà, voici ce qui se passe, je me suis pris un dé. Voilà. Donc on peut se prendre plus facilement des boules d'adversaires. Ouais, donc c'est très fort hein, comme jeu là. Donc là, vous voyez. Donc maintenant, à chaque, il va y avoir de nouvelles règles qui vont s'imbriquer. Donc là, on a déjà un niveau de complexitude plus grand. Bon, là ça va parce que les boules jouent comme des pieds. Ouais, bon, je retiens ce que je dis. Les billes sont plus lentes aussi, vous remarquerez. Elles ne sont pas aussi rapides que tout à l'heure. Là ça va, je gère encore. Mince. C'est pas grave. Tout va bien, nous vivons bien. Alors j'utilise pas trop les aimants parce que c'est pas que je vois pas l'intérêt, mais bon. Pour l'instant je trouve pas ça utile de les utiliser, voyez-vous. Bien qu'il va m'envoyer 3 balles dans la gueule. Il me reste 3 vies, hein, ceci dit. 5 pardon, pas 3. Allez, s'il vous plaît. Mais remets-moi ma barre de... Voilà. Vous voyez ? Bon, c'est pas difficile, hein. 3, 2, 1, partez. Voilà.
Ouais, je... Bon, fallait obligatoire... Salaud. Fallait obligatoirement que je m'en prenne une dans la poire. Oh là là. Putain. Salaud. Il va m'en envoyer une. Ah non, c'est bon. Ah oui, parce que le magnet a un temps limité, bien évidemment. Oh, lui, ça en est pris deux. Alors c'est chiant parce que j'ai l'impression que le temps de recharge aussi du répulseur à billes, si je puis dire comme ça, a été repoussé. Enfin, il est plus long. Ou alors la durée est complètement aléatoire à chaque fois. Je me suis pris un but. Oh là là! Je suis mal en point. Oh là là, oh là là, oh là là! C'est la merde en bas. On va ramasser les deux billes. Paf! Putain, il me reste que deux vies. Je vais me faire avoir. Faut que je survive! I will survive! Oh putain, je sens mal. Pourquoi? Oh là là, oh là là, oh là là. Non! Alors, je fais juste une micro-pause de 30 secondes, le temps que je ferme mes volets parce que je commence à avoir le... Le soleil de l'écran dans la gueule. Je reviens. Voilà, c'est bon. Hop, je me remets bien en place. On est bon, c'est parti. Donc on est concentré de tomates. Il le faut. Mince. Je sais pas le faire. Pozzo sait le faire. Pozzo que je kiffe, putain. J'ai utilisé le magnet. Ça va m'être utile, hein, parce que là... Je me fais ouvrir la nuit à chaque fois. Putain. C'est juste atroce. Oh là là. Incroyable. Oh là là. Je me les prends tous là. Je me les prends tous. Putain. Non. Oh la malchance. Je vais me faire avoir là. Non, c'est bon. Allez, faut pas partir défaitiste. On a encore nos chances. Oh là là, oh là là! Incroyable, qu'est-ce qu'on se fait chier! Oh là là, s'il vous plaît. Voilà, je suis mort. On va attendre. Alors, on va pas forcer la victoire, évidemment, vous me connaissez. Je ne suis pas de ce genre-là. Ça y est, un deuxième mort. Il reste donc Cortex et Riyaru. Pour l'instant, léger avantage pour Cortex, hein, qui a quand même 5 vies d'avance par rapport à Riyaru. Alors là, faut avouer que comme ça, en angle, c'est très difficile. Parce que, vous le voyez, les balles rebondissent en face. Donc, le lanceur de balles peut se faire niquer. Vous voyez? Là, j'avoue que c'est très serré. Allez, faut vite gagner.
ça devient impératif. Oh, j'ai cru que j'allais lui mettre. Décidément. Pas de chance. Voilà. C'est comme ça qu'il veut jouer. Il veut jouer stratégie. Évidemment. Évidemment. Mince, je m'en suis pris une. Évidemment. N'oubliez pas, hein, bien sûr, manger 5 fruits au Wumpa par jour. N'oubliez pas le site mabitinfo.fr. Évidemment. On serait tous d'accord. Tous les nutritionnistes le recommandent. Mabitinfo.fr, évidemment. Cortex se débrouille plutôt bien, vous voyez. Oh, c'était magnifique ça. Incroyable. Incroyable. Personne n'a jamais fait mieux sur cette planète. Alors. Arrête un peu de rire, toi. Voilà, c'est en appuyant sur triangle, on fait une taunte, bien sûr, hein, comme dans Street Fighter. Pour déstabiliser l'adversaire, évidemment. Ouh là là. Oh là là, il y en a partout. Il y en a partout. Propos que je tiens souvent. Devinez pourquoi. Alors, faut avouer que Cortex là joue très très bien. Et j'ai fait de la merde. Bonjour. Et je suis mort. Mort de décès, évidemment. Ce jeu est impitoyable. Comme Dallas. Voilà. Encore Cortex. Fou. Allez. Peut-être la dernière manche. Partez. Évidemment. Là c'est très dur, voilà. Petite passe. Évidemment. J'imagine bien Ken Bogard commenter des matchs comme ça. Ok. Là je joue incroyablement bien. Vous allez voir que ça va plus être le cas très très longtemps. J'ai eu la peur de ma vie. Oh là là, elle est passée, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Allez. Oh là là. Oh là là. Oh, c'était joli. Je joue incroyablement bien cette partie. L'autre s'en est pris deux dans la face. Oh là là, cette maîtrise de la boule. La boule magique, évidemment. Oh putain. Non, non. Eh, c'est bon. Je vais gagner cette partie. Enfin, j'espère. J'espère de tout mon cœur. Oh là là, c'était magnifique cette renvoyure incroyable. Cortex est mort. C'est incroyable. Allez, on se dépêche. Je reçois aucune bille depuis tout à l'heure. Oh putain. Oh, ce qui va m'envoyer dans la gueule. Oh là là, c'est serré. C'est serré. Tel un pantalon trop serré. Je sais pas ce que je raconte, voilà, j'ai perdu. C'est n'importe quoi, évidemment. Alors 3, 2, 1, partez. Il reste au maximum 6 manches à faire, au minimum une seule.
C'est dommage, j'étais très très bien parti. Ça me fait trop rire le merde de Crash. Je kiffe! Je kiffe! Oh putain! Mais arrête de m'envoyer des boules! Des boules magiques! C'est incroyable, je pense que ce jeu c'est celui auquel on passe le plus de temps. Mais réellement. Hop, je prends ma revanche aussi, hein, parce que... Les boules ne passent pas beaucoup, là. Oh! C'est incroyable, on s'en sort bien, là. Oh là là, c'est incroyable. Oh là là, quel skill! Quel talent! Je n'y crois pas. Je ne crois pas une seule seconde que c'est moi qui joue. Je suis égalité avec Cortex, hein. Là il est 7, ah non, 6 c'est bon, je repasse une légère avance quand même. Oh là là, oh là là, oh là là, ça va n'importe où, c'est n'importe quoi. Mince, je me la suis prise. Attendez, je peux peut-être gagner cette manche. C'est bon, Cortex est mort, oh là là. Oh là là, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on se fait chier, c'est gagné! C'est gagné! Alors là, c'est peut-être la dernière manche. 3, au maximum. 2, 1, partez. Au maximum, il en reste 3. Voilà. Minimum, il en reste une. Maximum, il en reste 3. Bien! Ça c'était incroyablement bien joué, celui-là aussi. Ok. Pour l'instant tout va bien. Allez, envoie-moi tes boules! Tes boules magiques! Oh là là! Incroyable, je me suis retué les deux! Fou, c'est n'importe quoi! Oh là là, petit ramage chez vous! Oh là là, oh là là, oh là là, je m'en suis pris deux. Bon, c'est forcément la dernière manche. Oh là là, ben, c'est passé. Oh là là. Ah, ah, faut pas que je m'en prenne. Non. C'est incroyable, on a perdu. Bon, eh ben c'est pas grave. Ceci clôture donc ce live sur Crash Bash. J'espère que ça vous a plu. Stop. Je vais arrêter s'il vous plaît. J'espère que ça vous a plu. On a fait 12% du jeu quand même. Ah, c'est bien. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, vous le savez, à suivre. Parfait. Non.
Ok. Bon. À suivre nos lives, donc les liens dans la description. Followez la chaîne si vous voulez avoir une notification comme quoi je stream. Et bien sûr, un dernier mot pour la fin. N'oubliez pas que pour votre santé, ça défile, bien entendu, mangez 5 fruits Wumpa par jour. Et plus d'autres infos et d'autres conseils finis à la pisse sur mabitinfo.fr. Notez-le bien, mabitinfo.fr. Sur ce, passez une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, je sais pas. Et à la prochaine, salut!